Toi, t'es à combien? T'es à 4. Et mon successeur est à quoi? À 7. Ah oui, un peu plus de finesse déjà. On pourra peut-être mieux convertir ces provinces-là. Ah, je suis vert. Ah, c'est salaud ça. Bon, je vais laisser pour l'instant l'armée avec son maintien. On partira en guerre. Alors, des réfugiés de guerre. Batiana. Et qui viendrait... Bah oui, mais... Ouais, on leur offre l'asile, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bon, on va faire avec, hein. Ah non, parlez pas de série s'il vous plaît sur le truc. Déjà que moi je les suis pas, alors quand je vous lis des fois j'ai l'impression de lire des aliens. Hein. Parce que clairement ça ne m'intéresse pas du tout. Alors si en plus vous parlez d'une série que je suis de vraiment très 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 loin parce que voilà, hein, bon. Bah c'est vrai que ouais, les pubs, ça c'est bien un truc pour lequel je suis assez content de pas me casser la tête avec... Bon, il y a du feu, du sexe, de la guerre, du sang. Oui, bon, ça c'est comme d'hab quoi. Comme dans toute bonne guerre qui se respecte. Alors, en termes de culture par contre, Arverne ici, il reste un peu d'Helvète. Arverne. Il y a qu'un territoire qui veut pas devenir Arverne pour l'instant. À 2. Ouais, quand même, il a fait du bon boulot, hein. 32 populations. Pour 25, lui, il est en train de se toucher, hein. Ah, attendez, c'est pas de la bonne culture, ça, indigète. Sphère ibérique. Oh, si en plus on a des cultures à la mort moelle-neuve, ça va pas le faire. Bonsoir, Alyosha. Alors, guerre. Médio-matriarchie. Ouais, mais on rentre en guerre contre qui? Oh, oui, ça, oui. Défoncer les... C'est... Oh, bien sûr que oui qu'on va y aller. Allez, hop, les gars. Fonce dans le tas. Prenez-moi ça. Ça, c'est pour nous, ça.
Alors, droit de passage. Bon, en espérant que notre allié nous donne les territoires, hein, ça c'est pas gagné non plus. Ce serait sympa. Guerre! Nous voulons la guerre! Bah, j'ai pas regardé si on pouvait dire non ou pas, je suis foncé dans le tas, moi. Dire non à une guerre, non mais vous m'avez bien vu, non? Dire non à la guerre, non mais. Sans blague. Qu'est-ce que c'est que cette hérésie? Dire non à la guerre. Youh! Il a 9000 hommes? 10 000 hommes? Ah oui, bon, on va peut-être attendre nos armées alors, hein. On va y aller avec toutes nos armées, c'est mieux. Je pense. Hein? Pas trop s'embêter, hein. Bon, en technologie, on en est où? Mars 512, ouais, on gagne du temps, on gagne du temps. Quasiment tout tomberait en 512. Bon, ça me va. Et on va faire nos revendications sur les garçons là. On est en trêve avec lui jusqu'en... Ah, 727! Ah bah non, non, bah non. Non, j'ai rien dit. J'ai des paix avec personne. Ah ouais, donc ouais, non, on part sur une revendication. Voilà. Et je sais pas si on va pas lui partir à la gueule tout de suite, hein, aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Parce que il a plus d'alliés, il a plus rien. Non, on va lui défoncer la tronche en fait. Ouais. Ah ouais. J'avais le choix entre guerre et guerre. Bah oui, bien sûr. Allez, victoire. Ah bah ils nous ont essayé de nous attaquer apparemment. Ils ont une idée à la con. Non mais j'aime bien. Le principe était sympa. Allez, le premier jour, on peut déclarer la guerre. Guerre. Le grand Sachem déclare la guerre. Alors, prendre un digéti. Oui. Un digénie, pardon. Bonjour. Avez-vous entendu parler de la parole de Raptor Jésus? Voilà. Vous me dites pas qu'il est en train de se faire défoncer sa tronche, lui, hein. Non, parce que sérieusement, hein, si j'ai un allié en carton, je veux pas d'allié, hein. Ah, et puis en plus, on capture du monde, c'est bien. Bon, bah nos 6 armées sont occupées, hein. Bah non, il y a qu'une armée qui est pas occupée. Parce que c'est méchant, c'est quoi ça? C'est allié à nous? C'est à qui? C'est à quoi? C'est quoi ici? C'est une cité qui a personne. Ah, donc ça veut dire qu'on pourrait coloniser ici, mais il faut 10 de pop. Et on n'a pas 10 de pop, mais c'est tout Arverne, donc on pourrait techniquement coloniser la cité de Maguetobria, qui s'est fait raser un nombre de fois incalculable. Donc tout va bien. Ah oui, non, non, quand il y a une grosse différence de texte, ça se ressent, hein. On dirait pas, mais ça pique, hein. Vraiment, ça pique. Allez. Ok, c'est bon pour les technologies. On est pas mal. Non, on va renvoyer quelques armées dans le nord.
Non, parce que notre allié est en train de se faire défoncer la couenne, c'est tout ce qu'on voit. Ok, là il y a une risque de rébelle. Là aussi d'ailleurs. On a toujours pas réussi à faire descendre cette possible rébellion là. On peut monter jusqu'à combien ici? Jusqu'à 37%, ouais. Est-ce qu'on peut passer ici? Ah oui, on peut passer, mais il faut faire tout le tour. Ok. Ah non, bah non! Non, non, non! Tu te laisses défoncer, s'il te plaît. Ok, j'ai mes vassaux qui sont en train de partir à l'assaut. C'est beau, je fais des rimes en plus. Alors, les Ségoussiaves sont en train de se faire défoncer la gueule. J'ai des alliés en coton en fait. C'est même pas en carton, c'est en coton. Donc Emporion vient d'être prise. Donc on a un esclave ici de culture massalienne, hellénique. Ah bah non, déjà t'es pas hellénique, non, c'est hors de question. Hein, on va se respecter un minimum. Et là, il y a des pirates qui sont en train de défoncer. Emporion, ah bah pas de chance, hein. C'était. Voilà. On va laisser une armée ici, ce sera bien aussi. On n'avait pas la possibilité là d'avoir un marché bientôt. Ah! Vodenosus est mort. En bonus, monte sur le trône. Ok, donc on a vu que c'est plutôt un bon en puissance civique. Donc déjà, on va pouvoir faire une chose intéressante. Ah, on n'a pas assez de points là. C'est qu'on va pouvoir demander la conversion culturelle des territoires qui sont ici. Parce qu'on a trois cultures différentes, dont deux qui ne sont pas de la sphère, de la bonne sphère. Et normalement avec 7 il devrait pouvoir faire un peu de boulot. Alors certes pas beaucoup, quoique 22% c'est déjà pas mal. Mais là on a une armée qui n'a pas de généraux. Enfin pas de général. Vodenosus, t'es un chef de clan. Il est chef de la famille des Vodenosii. Donc on lui donnera pas de clan. On lui donnera pas d'armée. Toi t'es quoi? Membre de la famille des Ambonii. Voilà, tu feras ton taf. Ça sera déjà bien. Ah mais on va se faire péter la thune là. Non? Va falloir qu'on regarde ça. Le boost techno que tu as pris les deux dernières fois que tu as promis tes tribaux en homme libre, puis en citoyen, je crois que je vais regarder la rediff pour pouvoir analyser correctement cette évolution. Oui, pourquoi pas, oui. Violent boost, oui et non. Tu veux dire, promu des tribaux en homme libre. Oui, bah de toute façon, dès que tu montes des gars en citoyens, les citoyens jouent sur ta technologie. Donc forcément que ça joue. Les tribaux ne servent que pour la productivité et les effectifs. Si tu les passes en hommes libres, ils vont être qu'en effectifs. Et si tu les passes en citoyens, ils vont devenir de la technologie, du point de recherche. Surtout s'ils sont de ta culture. Donc forcément que oui, ça a une importance. Ouh, Arverne, 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 Noric, Helvète, Arverne. Geneva, non, c'est Geneva, c'est pas nous. Ok, non, 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 c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a du bon travail de fait, hein. Alors, Arverne, Arverne, Helvète. Ouais, mais ça, ils font chier. Arverne, 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 Arverne. Éduin. Qu'est-ce que tu fous là des Éduins? Ah mais c'est pas à nous. C'est pas à nous. Ok. Bon, bah on a quasiment tout en bonne technologie, hein. Il y a encore du travail à faire, mais déjà. Là ici c'est tout géré, plus ou moins. Il y a que là où ça se casse la gueule, mais c'est normal. On pourrait même le changer ici, mais quoique si, on pourrait carrément le faire en fait.
Attendez, ils peuvent défoncer une armée, ils y vont pas? Vous êtes sérieux là? Ah. Parfait. Ah, c'est vrai que lui, il est pas... Il est déloyal. Est-ce qu'on peut l'acheter? Montrer en corruption. Ah, attendez, mon premier magistrat, il aurait pas un truc qui lui fait monter sa corruption là? Non, il a rien qui fait monter sa corruption. Par contre, il a la diphtérie. Je n'ai pas forcément la meilleure de ses idées. Mais Et lui, si on l'achète, on lui met 20 de loyauté dans la gueule. Ouais, mais il est pourri à chier, hein. Ouais, on va faire comme ça. Par contre, qui est mon successeur? Lui, très bon militaire, Vonelosus. Ouais, c'est à chier quoi. Ok. La guerre du Sud est gérée. Oui, clairement. Il reste juste les Elviens à prendre et on les annexera. Ça sera de nouvelles provinces, mais c'est pas très grave encore. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai des armées qui sont en coton là et que faudrait qu'on bloque ces armées là, qu'on les explose et après qu'on prenne les territoires, mais ils ont l'air d'être pressés de le faire quoi. Ouais, on va prendre le territoire là et puis on va gérer, hein. Ouais, on perd de l'argent là. C'est quoi ce moral en... Non mais non. Quel est ce moral en carton? Alors, là, on est avec une armée. Alors déjà, faut de l'infanterie lourde ici. On va mettre les archers en deuxième. Ça, c'est pas mal. Là, on a une bonne armée. Défense résolue, ce qui est plutôt très très bon, 68%, donc 13% contre la charge frontale ou autre. Par contre, s'ils ont du harcèlement, ils vont nous découper. Donc on va surveiller ça. Et là, apparemment, eh ben, ils sont en harcèlement, ça tombe bien. Alors j'ai demandé à ce que ma cavalerie soit sur les ailes, mais elle est drôlement sur les ailes là, elle est carrément au centre la cavalerie. Hein. Et toi t'arrives le 7 septembre, juste à temps pour renforcer. Et là c'est pris, ok bon bah parfait, déjà première guerre. Tout ça c'est à moi, file ton pognon, disparaît de ma vue. Et on va prendre du pognon supplémentaire, parfait. Ici on a cet homme là. En bonus, Brennus. Alors attendez, je cherche une région. Oui, c'est notre premier magistrat, ok. Et ça, c'est quoi? Il y a des bonnes religions là-dedans? Ouais. Apparemment. Alors, ça c'est à moi.
Et tu disparais toi aussi. Au revoir, merci d'être venu. Allez. Ok, ça c'est parfait. Donc ça, par contre, on n'a pas de magistrat là-dessus. Qu'est-ce que c'est quoi? Port sous blocus, mais non. Cet homme-là, Vodenosus, fils du chef de clan, la famille des Vodenosi. C'est mon fils ou c'est quoi? Ah, j'ai que des filles qui sont pas mariées. Et on peut rien faire contre ces barbares là. Par contre, ça c'est sûr, c'est pas de la bonne religion. Hein. Ouais, on fera les citoyens après. Hein. De toute façon, nos points, on va pouvoir les utiliser, ça on le sait. Ah, ben voilà une victoire qui allait bien. Allez, on défonce. Non, on est obligé de faire la guerre pour notre allié, quoi. Allô, quoi. Bon, déjà, alors par contre, toi, c'est pas une charge frontale que tu fais, hein. Une dispersion à la rigueur, mais. Et c'est quoi? On va prendre leur territoire, je pense, et puis on va s'asseoir dessus, hein. On va se les garder bien au chaud pour nous. Et on verra ce que fait notre Médiomatrici. C'est où ça la Médiomatrici? D'accord. Et en plus on capture du monde, bah c'est parfait. Heureusement qu'on est là, hein, parce qu'alors. Il est pas efficace hein, le copain hein. Bon par contre les pirates on peut rien y faire pour l'instant hein. Ça ça nous pose problème mais on n'a pas le choix. Chaque combat te coûte tellement cher. Oui 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 ça c'est. Enfin c'est obligatoire. C'est dans l'air du temps on va dire. Attends, eux ils sont où? Ça coûte forcément cher, de toute façon t'as pas le choix. Ça te coûte toujours quelque chose. Clairement, tu peux pas faire dire je vais faire une guerre et que ça va passer nickel quoi. 25 de population déjà. Vous êtes sérieux? 25 de population? Massalien, Massalien. Ah ouais, deux tavernes. Tiens, il a mis quelques arvernes quand même, hein, c'est bien. Et on me dit 25? Vous êtes sérieux? Non, là il l'a pas fait, là il l'a pas fait. Il a déjà fait 25? Pourtant il a pas été Bah non, pourtant. Alors attendez, hein, je fais le tour un peu parce que j'aime bien regarder ça. Et là, on a une cité.
faut 10 de pop et là on est à 7. Ok, bon. On va surveiller et on va gérer cette guerre quand même. J'espère que l'allié sera reconnaissant. Mais normalement, il devrait peut-être nous donner ça. Là-bas, on pourra pas, c'est beaucoup trop loin. Mais en théorie. Après, il nous faut 2500 hommes là. Bon, 500 vont rejoindre les rangs, c'est déjà pas mal. Tant que c'est pas des armées personnelles, entre guillemets, que c'est juste des armées qui sont faites par nos suites, ça peut se gérer encore. Changement au conseil. Nombre de chefs de clan plus 1. Est-ce qu'on a vraiment besoin de chefs de clan supplémentaires pour avoir plus d'emmerdes? Parce que conseil public, alors la loi de conseil public. Conseil public. Voilà, ça donne plus 1 chef de clan, alors que lui, ça donne nombre maximal d'amis plus 1. Conseil public, je vois pas l'intérêt, quoi. Surtout pour perdre 100 de puissance oratoire en plus. Non, il va le se faire foutre. Non, parce que clairement, enfin, faut pas abuser non plus. Homme libre. Bon, bah voilà, en termes de religion, on est bien. C'est revenu nickel. Ah, mais d'accord, lui, il était parti là-dedans. Non, convertis-moi ça. T'emmerdes pas là-dedans, garçon. Tu te fais chier pour rien. Alors. Ok. Alors, on va directement foncer sur les prises de territoire adverses, hein, on va pas s'emmerder. Ah, je me fais attaquer ici. Ça tombe bien, loup contre loup. Victoire. Ah bah t'as bien fait de venir, tiens. Ça nous manquait. Je me demande si je vais pas intégrer les Ségoussiaves au final. Parce qu'après, si on attaque directement les Allobroges, on va les intégrer et puis point barre quoi. Mais il a des alliés, hein, ce petit con. Hein. Notamment les Salas et les Insubres qui sont chiants à aller chercher. On va améliorer les relations pour pouvoir l'intégrer. On va les intégrer. Décès, mort, in flagrante delicto. En plein mort en flagrant délit. Il est mort à 71 piges. Mais c'est n'importe quoi. Chef de la famille des Durati. Ok. Alors, chef de guerre. Ouais, oh là là, mais c'est quoi ces gars? C'est pas des guerriers, c'est des merdes. Alors. D'ailleurs, à noter que dans les familles, hein, la famille Maguni, c'est celle qui a le plus de prestige actuellement. Et nous sommes la famille des Amboni, qui est la deuxième avec le plus de, enfin troisième après les Vodenosi. Donc c'est eux qui se partagent les trois premiers rôles hein, de clan, tout simplement. Chercheur, chercheur. Mais lui, on s'en fout, c'est un séquan, donc on. Voilà. C'est un général, lui. Grand prêtre. Eh ben, pour trouver un gars qui soit potable en chef de guerre, on galère, hein. Buvons la victoire, maître. Oui, moi je bois. Toi, tu pars te faire fouetter. Bien, maître. Une bonne séance de fouettage, ouais.
Bah, son renfort garanti, oui et non, parce que t'as bien vu qu'elles mettent un peu une chier de temps à arriver, quoi. Alors que moi, ces territoires font partie de deux territoires que j'ai déjà. Et ça m'arrangerait, quoi. Bon, on est en train de siéger. Ah bah on a capturé encore quelqu'un. Tu vois, le problème de mes vassaux, c'est qu'ils m'aident, mais sur... enfin, quand j'ai quasiment plus besoin d'eux, quoi. L'indu-génie, c'est où l'indu-génie? Ah, d'accord. Ouais, bah 17 de troupes, on craint rien. Hein. Par rapport à la population qui nous adore, on va pas avoir de révolte avant un bon moment. Hein. Alors je sais pas si mes vassaux vont me donner les territoires à moi ou s'ils vont les passer à mon allié. Ça serait bon à savoir ça.